Bonjour à tous. Notre émission de dimanche dernier était consacrée aux abus spirituels dans l'Église avec le père Stéphane Joulin, un père blanc, psychothérapeute. Une émission très forte et je voudrais vous proposer une image, une parole et un geste. L'image, c'est celle dans le reportage. On voit le réalisateur faire un focus sur la barrière de jardin, une manière d'évoquer l'enfermement, l'emprise psychologique dans lesquelles sont prises les victimes d'abus spirituels. La parole, c'est celle du père Joulin qui nous dit que, au-delà de cet abus, eh bien, l'esprit est encore plus fort, et c'est une parole d'espérance, l'esprit est plus fort pour la reconstruction. Et pour apprendre à se reconstruire, eh bien, il y a eu ce geste que l'on voit par Anne dans un second reportage qui, dans l'écoute qu'elle fait aux victimes, offre son oreille. Et que là, la parole permet à la personne victime de se reconstruire, d'apprendre à reconquérir sa liberté. Une émission importante pour l'Église aujourd'hui que je vous invite à voir ou à redécouvrir sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.